Je suis venu à la gravure sur bois en lisant Apollinaire, le poète Apollinaire, c'est nous qu'on l'a nommé. Et il disait, j'en ai marre, enfin en poésie, je vais bientôt partir en guerre comme ces guerriers qu'autrefois Épinal Vendée, image populaire que Georges Jeun gravait dans le bois, où sont passés, où sont les guerres d'autrefois, etc. Georges Jeun, ça m'était resté dans la tête, et quand j'ai dû partir faire mon service à 26 ans, hein, j'étais sur Cythère longtemps, et j'ai passé un mois à Épinal, hein, dans les transmissions, et là j'ai dit, ah, il faut que j'aille voir Georges Jeun, voilà. Et quand j'ai après j'ai dit, bon, je vais faire la gravure sur bois. Et je voulais illustrer, parce que je lisais Apollinaire, je voulais illustrer le bestiaire d'Apollinaire. Et j'ai commencé à faire ça. Parce que j'avais les textes. Après, il y a un crétin de copain qui m'a apporté le bouquin avec les gravures d'Apollinaire. Et c'est là que j'ai changé, arrêté, j'ai fait autre chose. Je ne veux pas lutter contre Raoul Dufy, alors c'était. Et au début, j'ai fait très peu de couleurs quoi. J'ai fait surtout du noir et des. Et d'abord, au début, j'ai pas de presse. Hein, à l'armée, j'ai fait quelques gravures pour Apollinaire. Et une des dames, la femme d'un instituteur, m'a passé une essoreuse à linge, vous savez. Alors on ancrait le lino, on mettait le papier et on passait ça sur le rouleau, puis on tournait, puis ça ressortait de l'autre côté. C'était pas terrible, mais j'en ai gardé quelques-unes comme ça. Comme après, sans presse, on imprime à la cuillère. On met le bois, on met le papier dessus, on mélange, on met le papier, puis on frotte avec le dos, on y va avec le dos de la cuillère, on frotte, on frotte. Et j'ai connu en Costa Rica, j'ai connu un grand graveur, le plus grand graveur de l'Amérique centrale, Francisco Obligati, qui n'a jamais eu de presse de sa vie. Il a toujours fait tout, même des grandes gravures à la cuillère. Et quelquefois c'était lui qui imprimait, quelquefois il avait une femme de ménage, il disait au lieu de faire la bouffe, au lieu de faire la vaisselle, arrête de se taper la cuillère. On entre à ça. C'était très drôle. Oui. J'ai des gravures de lui, oui.